Pour l'ananas confit, à l'aide d'un coupe ananas, prélevez le centre et découpez la spirale en segments pour obtenir de jolies tranches. Réalisez un caramel à sec en faisant fondre du sucre dans une poêle et une fois que le caramel blondit, ajoutez du beurre, une gousse de vanille, coupée en deux dans sa longueur, et faites caraméliser l'ananas. Débarrassez ensuite les tranches caramélisées sur une plaque avec du papier sulfurisé et récupérez la gousse de vanille pour le dressage. Pour les copeaux de chocolat blanc, tout d'abord, réservez un tapis de silicone au congélateur. Faites fondre du chocolat blanc au bain-marie, versez-le ensuite sur la plaque bien refroidie et lissez le chocolat à l'aide d'une spatule coudée. Une fois le chocolat bien refroidi, munissez-vous d'une spatule plate et venez racler afin d'obtenir de beaux copeaux de chocolat. Réservez ensuite au congélateur. Pour la crème chantilly citron vert, montez au batteur de la crème liquide avec du mascarpone, du sucre glace, des zestes de citron vert et réservez dans une poche à douille cannelée. Pour le dressage, dans une assiette, tracez un trait de blanc d'œuf, saupoudrez de la coco râpée sur cette ligne et secouez l'assiette pour éliminer le surplus. Placez la rondelle d'ananas caramélisée au centre de l'assiette, réalisez un dôme de chantilly, disposez dessus les copeaux de chocolat blanc, à l'aide d'un économe, détaillez des pétales de noix de coco et déposez-les délicatement ainsi que la gousse de vanille préalablement utilisée. Voilà comment réaliser en 30 minutes un savoureux ananas confit, copeaux de chocolat blanc et chantilly de citron vert qui bluffera vos convives.